DJ Armelo. Whoa, whoa. Cool. Ça allait, va bien faire pour aujourd'hui. Et à nos premières missions pour le moment, récupérer les sacs à poupées. Parce qu'on a oublié de les prendre ce matin quand ils sont partis en bus. Ça y est, on a dû prendre la voiture à maman qui était de l'autre côté. Retraverser le pont, fatiguer encore une fois le quartier pour arriver chez nous et aller récupérer le sac. Soon after. Oui, on a déjà notre deuxième mission. Et le pire, bah, on a la première mission, la deuxième mission. Non pas? Non pas. Non, mais t'as là? Non, avec ta c'est directrice. Ah! Notre deuxième mission, normalement, c'était d'aller récupérer à Poppy. Mais comme vous l'avez entendu, la directrice a dit qu'on peut laisser Poppy à l'école aujourd'hui. Ben, on va en profiter, hein. Enfin bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de laisser à ma famille, plus particulièrement à mes enfants. Grâce à ce journal personnel vidéo, j'ai envie de partager notre vie à mes enfants, mais aussi et surtout des conseils pour au cas où je serai plus là quoi. Enfin bref, mes enfants ils regardent les vidéos, mais ils sont encore beaucoup trop petits pour comprendre tout ce que je dis dans toutes mes vidéos. Mais je sais qu'il y a toi, toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout ce que je dis. Et pour éviter que tu aies money, je te donne à toi aussi l'occasion de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question. Et moi j'essaie d'y répondre dans les prochains commentaires. Par exemple, aujourd'hui, on va répondre à cette question-là qui me prend par les sentiments. Je vous laisse le temps de lire. Je suppose que vous avez compris pourquoi je dis « elle me prend par les sentiments ». A few seconds later. À nous, troisième mission aujourd'hui, faire de la paperasse. J'ai toujours mon appel dans l'église. Il faut le magnifier. Ok. Many moments later. Later. Là, on s'est arrêté chez Michel parce qu'on a besoin de des embouts, là, attache rapide pour les tuyaux. Et on vient voir si eux, ils vendent ça à l'unité. Oh, il y a des trucs intéressants, là. Chier, comment c'est ça, là, les gars? Et c'est comme ça, à l'école? Ça, les gars, ça, hein? Kavend Alibaba, ce truc-là. Chier, trate pas, soi. Eh, les petits tatabous, tous nous, les enfants. Non, c'est ça. 750. T'as non envoyé ça? Même ça, on a besoin, mais bon. Pararit matin. T'aimes ça? Pararit matin? Oui, mais. Oh, Prish Cross, c'est la même chose partout. Oh, j'avais 1900, on a reçu hyper beaucoup. Tous les magasins comme ça en France, ça me manque. Tu trouves tout, puis. Ça y est, on a profité de prendre aussi la passoire. C'est rare qu'on voit ce genre de passoire là, de cette taille là. Et là, on s'est dirigé vers chez Amin parce que. On a besoin d'être à Oupad. On a vu ouais, là-bas chez Michel, mais bon. 4000 quels, tu as payé le bordel. On espère qu'ici, ça va être un peu moins cher, quoi. Et normalement, après ça, on dépose maman au travail. Et moi, je retourne à la maison. 5 hours later. Them body today, leave a experience. Them go to the gym, then come to show it in a de dance. Les gamins, t'as vraiment été. Oh yo, ça manque de quelque chose. Ouais, un peu de sauce. Et non, du sel. Ouf, plus de poivre que du sel là, on dirait. Carrément mieux. Allez, on répond à la question maintenant.
la base, moi, je voulais vous dire exactement quel mange j'aime bien. Et si j'avais répondu à cette question comme ça, je pense que j'aurais dit les kebabs. Mais hier soir, c'était lundi soir, et on a reçu des invités. Et parmi ces invités, il y avait le petit Kaya. Et en vrai, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je ne réponds pas à cette question bêtement. Parce qu'hier, en parlant avec son papa, j'ai demandé au papa si le chamène, comme c'était un peu notre mardi soir, c'était le mien préféré du Kaya. Et le papa, il m'a dit, t'es mentira. Et en vrai, moi aussi, en France, j'ai pas vraiment eu de main coup de cœur, quoi. Ici, il y en a un. Et normalement, si tu suis les vidéos, tu sais duquel je parle. Mais en France, j'ai pas eu de coup de cœur. Là-bas, j'ai goûté à plein de trucs. On a été voir des burgers qu'il n'a pas ici. Et pour ce qui est de poulet pané, il y avait KFC en France. Mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais Ehwa Chicken Skin, buffet à volonté. On en a fait trois, je crois. Mon préféré à moi, c'était Pacifique. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle quoi comme ça. Bref, c'était un gros buffet. Il y a la vidéo sur Facebook si vous voulez. Même sur TikTok, je crois. Pour les Thaïsiens qui vont balader Fleury, c'est là-bas. Fleury Mirogis. Et ceux de Fleury, ils doivent savoir c'est où. Après, les gars, c'est du buffet à volonté. C'est pas des trucs de qualité, mais c'était bon. Après, moi, j'aime pas les trucs de restaurants gastronomiques où il faut être classe et compagnie. Donc, on n'a pas fait ce genre de resto. Côté sucré, Mehitima, ils m'ont emmené à un truc un peu bizarre. Ça s'appelait la kékéterie. Ils m'ont emmené aussi un truc où on fait des pains chocolat rose ou enfin, plein de trucs comme ça. Bref, c'est là où madame elle a mangé ce bidule là. Plein de crème qui sort du truc. J'ai goûté, il fallait m'étouffer avec le sucre glace. Là, nous, fin de l'expérience. Si vous voulez savoir, c'est où les Taperabu et Rivoli. C'est pas très très loin. Ah oui, côté sucré aussi, pas très très loin de là. J'ai été goûter Cédric Grolli. Pas l'endroit où il fait les petits déjeuners. L'autre, là où il y a les trempleurs. Normalement, si tu suis les vidéos, t'as vu ce que j'en pense. Mais si tu suis pas les vidéos, perso, j'ai pas trop aimé. Comme j'ai dit, mais on team time. Mais je dis pas que c'est pas bon. Hein. Ouais, je crois côté sucré, c'est tout. Mais il y a un truc dont je voulais absolument vous parler, les gars. Un conseil, allez chez Costco, les gars. Et si tu veux un équivalent de ce que c'est côté goût, texture, qualité, ici à Tahiti, tu vas chez New York Pizza, pas loin de la mairie papier. Et c'est comme si tu mangeais les pizzas de chez Costco France. Je crois que c'est 9 euros la pizza. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Excellent. En plus de ça, le jour où on a mangé ça, mon tonton il avait pris aussi du poulet rôti. J'avais l'impression que j'étais en train de manger le poulet rôti quand j'étais petit. Quand c'était ma maman qui faisait. Maman, j'ai bien dit j'avais l'impression. Mais eh, ça à toi. La plupart du temps, on cuisinait à la maison. Ah oui, pour vous expliquer pourquoi. Quand on a quitté Tahiti, moi et ma femme, dans nos valises, on avait mis tout notre placard à linge, un carton de sao et un carton de soupe bleue. Donc la plupart du temps, là-bas, on mangeait soupe bleue, sao. Mais en tout cas, comme j'ai dit, j'ai pas eu vraiment de coup de cœur. C'était bien de goûter à tout ça. J'ai vraiment aimé vivre ces expériences. Mais vraiment, rien n'a réussi à détrôner le poisson cru. Enfin bref, voilà pour notre vidéo d'aujourd'hui, les amis. On va dire que c'était la vidéo du lundi et du mardi. Hey, voilà les enfants. Non. Aïe, j'ai failli oublier. Le conseil à papa, les enfants, pour vous, par rapport à cette vidéo et à la question, c'est que quand on vous posera une question dans votre vie, ne répondez pas bêtement. Prenez le temps de réfléchir, parce que la réponse à cette question-là, elle est importante. Exemple, grâce à la réponse que papa vient de donner, la prochaine fois que j'irai en France, celui qui a posé la question, quand il va m'accueillir chez lui là-bas en France, il sait que j'aime bien les pizzas de chez Costco, que j'aime bien le poulet pané de chez Chicken Skin, que j'aime pas trop les trucs sucrés, mais que j'ai aimé les pâtisseries de chez Cédric Grolet. Quand ça soit pas, bah oui, son cerveau a réfléchi. Quand il va m'inviter, il sait que c'est là-bas qu'il doit aller. Rigole, non, attrape, hein. Mais bibi, prenez vraiment au sérieux ce conseil-là. Réfléchissez avant de répondre. Ça peut être des questions, mais ça peut aussi être des consignes, que ce soit dans vos devoirs ou dans la vie de tous les jours. Réfléchissez avant d'agir. Donc, voilà, Lara, c'était tout pour papa, les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.